De revenir puisque j'ai déjà effectué un tirage aujourd'hui et que je pense que je vais poster celui-ci en complément puisque ce tirage portait sur Monique Videmain et je sais que ce sujet n'intéresse pas tout le monde. J'ai déjà proposé plusieurs tirages sur l'affaire du petit Grégory, mais j'ai vraiment des personnes qui tiennent absolument à avoir des réponses concernant certains protagonistes plus précisément. Ceci explique pourquoi. Eh bien, j'ai réitéré un tirage sur l'un des protagonistes. Mais pour les personnes qui n'apprécient pas du tout cette histoire ou qui en ont assez d'en entendre parler, je tenais à vous proposer un autre sujet aujourd'hui qui est un petit peu plus people, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'une personnalité, comme vous avez pu le voir, pardon, que vous appréciez tous et toutes énormément. Je vais vous parler de Patrick Bruel. Patrick Bruel qui est un grand artiste, chanteur, acteur, compositeur, et qui s'appelle donc Maurice Benguigui de son nom, puisque je vais m'en servir afin de faire un petit tirage sur lui concernant les affaires qui lui ont été reprochées il y a quelque temps, dont nous n'avons plus entendu parler mystérieusement, qui consistait à dire que ce monsieur aurait été dans plusieurs salons de massage dans différentes villes et qu'il aurait demandé des suppléments concernant ces massages-là. Alors bien entendu, je parle au conditionnel, hein, je n'ai plus réentendu parler de cette affaire depuis bien longtemps. La carte qui est disposée sur la table est la carte de la coupe de ce jeu. Je vais donc la mettre sur le côté et vous proposer 6 cartes qui vont ici. Donc, je vais la mettre plus bas. Ici, représenter la rumeur au sujet de Patrick Bruel. Ici, sa version de l'histoire, puisque c'est très important. Et que, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu de suite. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Ici, la version de l'histoire des protagonistes, des femmes qui en ont parlé. Là, nous aurons la vérité, entre guillemets, au sujet de cette histoire. Un conseil, ici, quelque chose pour déjouer ou dénouer le problème. Et enfin, une dernière carte qui, elle, va plutôt nous parler de l'évolution de la situation et de ce que cet artiste pourra rencontrer dans les mois à venir concernant ces histoires-là. Alors, sans plus perdre de temps, je vais tout de suite procéder au tirage. Hop, je range le reste des cartes et je vais regarder la coupe. Oh. Alors, la coupe est assez rigolote si on sait que Patrick Bruel, et c'est vrai, je n'en ai pas parlé, est un amateur de poker et qu'il a animé, participé et joué au poker. Et là, nous avons la carte des joueurs. Ah bah ça, c'est quand même assez parlant, je trouve, le concernant. Donc, puis c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à cet aspect-là de ce qu'il aimait faire et ce dont il était plutôt doué, d'ailleurs, il paraît. Donc là, pour les joueurs, on nous parle plutôt d'autre chose, hein, puisqu'on nous parle de stratégie. En réalité, on nous apprend que Patrick est une personne qui est un bluffeur. C'est quelqu'un qui est capable de jouer au faux ami pour obtenir ce qu'il veut. C'est une personne qui sait se montrer comme un caméléon lorsqu'il en a besoin. C'est une personne vraiment très stratège dans sa vie de tous les jours. Quelqu'un qui aime la victoire et qui a du mal à accepter la défaite. Ça, c'était pour la coupe. Ici, donc, la rumeur à son sujet. Nous avons la carte de la visite, une carte du valet de cœur. Cette carte ici représente donc 3 protagonistes, comme vous pouvez le voir. Et nous sommes dans cette situation, donc, je vous le disais, des accusations qui avaient été portées contre lui. Alors ici, on nous dit qu'il y a eu des déplacements, des rendez-vous, et qu'il s'est montré plutôt comme quelqu'un de très courtois, de plutôt charmant, qu'il a fait bonne impression lors de ses déplacements.
Donc jusque-là, eh bien, la rumeur à son sujet était plutôt positive. On disait que c'était une personne totalement charmante, quelqu'un qui savait faire preuve de bonne manière, être toujours de bonne composition. Ici, nous avons sa version de l'histoire. Et nous avons les rêveries, donc on est toujours dans du cœur ici, et nous avons une carte plutôt douce qui nous dit que lui se voit comme une personne plutôt pleine de naïveté. Il se considère comme quelqu'un qui a une certaine propension à se plonger dans un monde imaginaire, à construire autour de lui une réalité qui lui appartient. C'est quelqu'un qui également se voit comme digne de confiance, quelqu'un qui saurait garder les secrets. Ici, par contre, on voit la version de l'histoire des autres protagonistes, donc des personnes qui l'ont accusé. Nous sommes sur la carte du voyage pour faire retourner, qui nous parle ici de personnes qui ont eu peur, de personnes qui se sont confrontées à un changement de personnalité soudain. Donc effectivement, la version qu'il nous donne peut être complètement réaliste dans la mesure où il ne se présente pas comme quelqu'un d'odieux, mais sa personnalité semble changer brusquement selon la version de l'histoire de ces dames. On nous parle également avec cette carte du voyage renversé de plusieurs reports, plusieurs changements de rendez-vous, plusieurs changements. Il y a un report là-dedans, dans cette question, dans cette carte. Donc est-ce que leur version de l'histoire, ce serait quelqu'un qui reporterait ou décalerait ses rendez-vous afin d'être tranquille avec elle à des heures tardives, par exemple. C'est ce que ça m'inspire. Là, on a la vérité à propos des accusations. Donc là, on a beaucoup d'argent qui arrive renversé. Donc on a l'as de trèfle ici. Et cette carte nous parle donc évidemment de quelque chose de financier, comme vous l'aurez compris. On nous dit que la vraie version de l'histoire ici, eh bien, c'est quand même une volonté de gagner de l'argent. Donc il se peut quand même que les accusations qui aient été portées contre lui aient été faites par certaines personnes, au moins, juste dans le plaisir de vouloir eh bien, gagner de l'argent sur cela et plumer, entre guillemets, Patrick Bruel. Alors le conseil ici pour déjouer ce problème et le résoudre est enfin l'évolution de la situation. Donc ici, le conseil, on nous parle de nouveau d'un as, et cet as ici, c'est l'as de pique. Cet as qui nous fait part d'un retard, qui est représenté par la carte du retard, et qui nous indique qu'il y a eu et qu'il faudrait, pour arriver à dénouer ce problème, éviter de perdre du temps. Et en fait, les personnes qui ont porté ces accusations-là ont agi très rapidement, semble-t-il, ou à un moment auquel ils ne s'attendaient pas. Et il s'est fait devancer par cette situation. Alors, est-ce qu'au milieu de ces personnes, il y aurait quelqu'un qui lui souhaitait profondément du mal? Ça, je ne le sais pas. Peut-être qu'il les connaît. En tout cas, on nous parle ici d'un mauvais départ. On nous parle de violence, hein. On voit clairement quelqu'un qui se fait rejeter. Et ici, le conseil pour déjouer, eh bien, cette situation douteuse aurait été donc d'éviter de perdre de temps et de faire ce mauvais départ en fait. Donc peut-être tuer la rumeur dans l'œuf si ça n'a pas été le cas. Ne pas laisser la rumeur prendre. Et l'évolution de la situation, on est sur du carreau renversé ici, hein. On nous parle vraiment de contrariété retournée. Donc ici, il y a une fuite face aux difficultés. Donc les problèmes qui ont été confrontés à Patrick Bruel ont été esquivés et ont été ignorés. Donc, a priori, il n'y aura pas de répercussions à ce sujet le concernant. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le jeu de la Sibylle. Ce que je vous propose pour compléter tout de suite cette information, c'est de garder ce jeu-là et de faire un tirage en quatre cartes afin de pouvoir étudier un petit peu plus précisément ce qu'on a déjà obtenu comme réponse ici. On va peut-être parler plus globalement de la partie artistique de Patrick Bruel, puisqu'on ne va pas le résumer à cette accusation peut-être calomnieuse ou peut-être pas, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je préfère m'orienter sur sa carrière et puis sur, eh bien, sur les côtés positifs de sa personnalité, puisque comme tout le monde, même s'il ne plaît pas forcément à tout le monde, eh bien, il a ses propres qualités inhérentes à lui. Donc on va regarder pour les personnes qui l'apprécient, voir son évolution,
Si d'un point de vue artistique, scénique, nous allons le revoir prochainement. Ici, donc, nous avons sa situation actuelle qui est représentée. Là, nous aurons la situation plutôt passée, le futur qui pourra le concerner, et enfin un conseil à adopter pour lui, pour cette carrière, et voir un peu où il en est. Je vous propose de retourner ces cartes tout de suite. Donc le présent, pardon. Ici, le flatteur. Ici, nous avons la fidélité pour la situation actuelle, la situation passée, l'évolution future et le conseil à adopter. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que dans la situation actuelle, eh bien, ce monsieur est entouré de personnes un peu veules, hein, qui aiment beaucoup le flatter, flatter son ego, prendre soin de lui. Alors, bien sûr, il le pense, il y a une certaine sincérité dans les compliments, mais ce sont quand même des personnes qui savent se montrer vraiment excessives dans ceci. Et on pourrait considérer que ce sont donc des baratineurs. C'est quelqu'un qui est entouré d'amis très fidèles et qui sont des amis de cœur, des amis fiables. Donc ça, c'est assez rassurant sur son entourage. Je sens qu'il a de bonnes. Effectivement, j'ai l'impression qu'autour de lui, les choses se passent plutôt calmement, plutôt paisiblement. Dans les situations passées, ici, on nous évoque la fidélité, donc toujours sur du trèfle, hein. Et avec cette carte qui est représentée par le 2 de trèfle, on nous dit que dans le passé, eh bien, il a bénéficié de liens solides. Il a été entouré de personnes toujours très loyales, de confiance, et qu'il a pu avancer en réalité en toute sérénité. Donc les choses, comme je vous dis, pour moi, autour de lui, il y a cette sensation de calme, de paisibilité. Je vois après sur l'évolution future pour lui, donc nous avons l'espérance qui arrive renversée. Donc là, on a un petit bémol, mais peut-être que ce bémol peut être évité. Nous allons regarder ensemble, puisque l'espérance renversée, eh bien, nous parle d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc, il est possible que dans un futur, il apprenne quelque chose sur une personne qui lui est très très proche, peut-être une épouse ou un frère, une sœur, quelqu'un, un ami très fidèle. En tout cas, il risque d'avoir quelque chose qui va le faire sortir d'un espèce de déni. Et ainsi le pousser à l'action. Il s'est peut-être un peu, je ne sais pas s'il a des projets en cours, peut-être qu'il n'a plus de concert de prévu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'un regain d'action parce qu'il y a eu une période de latence qu'il a subi. Quelque chose qui lui a vraiment fait perdre espoir à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est derrière lui, on sent qu'il a envie, il a cette motivation. Et le conseil pour lui à adopter dans ce tirage, eh bien, c'est la maison de ville qui arrive renversée. Et cette carte, c'est une carte de cœur qui nous parle plutôt de sortie. On nous dit que pour y arriver, il va falloir faire un petit retour aux mondanités, avoir une vie sociale plus importante et plus souvent fréquenter le monde extérieur. Alors, pour tous ceux qui le connaissent bien, n'hésitez pas à me dire si ce monsieur a fait une pause médiatique récemment, ou si ça fait quelque temps qu'il se serait coupé, par exemple, du monde, un petit peu comme certains, comme Jean-Jacques Goldman ou autres. Je ne sais pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout consommatrice de presse people. Ça ne m'intéresse vraiment pas d'aller fouiller dans la vie des gens, contrairement à ce que certains pensent. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une enquête qui m'intéresse, puisque les accusations avaient été quand même relativement médiatisé, puis après plus rien. En tout cas, ça n'est pas arrivé jusqu'à moi, donc je me disais peut-être qu'il y avait eu quelque chose à cacher ou quelque chose qui aurait peut-être été résolu. Je vais utiliser le jeu qui est le Tando, qui va nous donner des informations plutôt sur sa vie sentimentale, puisque là nous abordons une partie. Alors c'est pas vraiment sentimental, hein, puisqu'on parle d'abus. Mais on est dans une relation aux femmes, c'est ce que je voulais dire. Je me suis très mal exprimée, je vous prie de vraiment m'en excuser, pardon. Excusez-moi. Donc, alors, une première carte. On nous montre un séducteur, hein. On nous le montre vraiment comme quelqu'un qui est dans la séduction, et cette séduction est réciproque. Puisqu'on voit que là, c'est un partage, hein, cette danse très langoureuse qui se danse en couple. Là, on a les yeux dans les yeux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la séduction mutuelle et du laisser aller, quoi, de la partenaire.
J'ai la carte des communications à travers le monde qui ressort ici. Cette carte également, donc là on nous montre quelqu'un qui semble accuser son partenaire et lui qui a l'air d'être très surpris. Il se montre en ayant l'air de dire ah bon, moi j'ai fait ça. Donc comme si quelqu'un l'accusait et que lui ne comprenait pas, si vous voulez, ce qui lui arrive avec cette accusation. La carte précédente nous indique les connexions au monde, et là je pense totalement à Internet, la scène médiatique, mais voilà, la scène aussi artistique, hein, c'est des rumeurs qui ont fait le tour du monde, hein, je pense, clairement. Là on voit qu'il y a eu vraiment des disputes, hein, il y a eu quelque chose qui s'est... Autour de ça, il y a eu vraiment des colères. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire, s'il vous plaît, sur l'attitude qu'aurait eu... Eh bien, Maurice Bénéguy face à ces masseuses qui l'accusent. Alors, ici, j'ai une carte d'une personne qui s'en va avec ses bagages. Je n'ai jamais tiré cette carte, c'est la première fois. Pour moi, on voit quelqu'un qui quitte tout et qui part humblement avec ses affaires. Donc, pour moi, il n'y a pas de question de responsabilité ici, bien au contraire. La carte qui suit, c'est une femme qui est un poids sur le dos d'un homme. On peut voir ici la notion de massage, hein, puisque certaines s'assiedent, marchent et tout ce qui va avec. Je tiens à préciser aussi, et je ne remets pas en doute la parole de qui que ce soit, que plusieurs amis m'ont parlé de ce genre de salon, et qu'en réalité, ce sont les masseuses qui proposent parfois ce genre de prestations. Alors je suis un peu surprise puisque pour moi ça reste de la prostitution déguisée. Je suis très étonnée que certaines masseuses proposent ça. Ouais, vous voyez, lui il est dans un monde un peu de conte de fées. Hein. Lui il a une espèce d'idéalisation de la femme, du couple. On est loin de tirer des cartes qui me parlent d'un agresseur. Hein. J'avais un petit peu peur parce que parfois on ne sait pas sur quoi on va tomber et je sais qu'il est très apprécié donc bah, ça me fait un peu appréhender parfois. Ce qui pourrait venir, mais vraiment ici on parle d'un couple solide. Regardez, on ne parle pas d'abus, on ne me parle pas de contrôle, on ne me parle pas de quelqu'un qui se montrerait malhonnête, quoi. Bien au contraire. Allez, je vais continuer encore un peu, et puis si rien de particulier ne ressort, et eh bien j'en arrêterai là pour ce sujet. Oui, bah écoutez. C'est un homme qui aime les rapports charnels avec les femmes. Enfin voilà quoi, c'est un homme. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. C'est plutôt même, vous voyez, la tendance inverse. Hein, on lui crierait plutôt dessus. Écoutez, j'en arrête là puisque je pense que nous n'avons pas besoin d'insister plus. J'ai déjà tiré un certain nombre de cartes de manière aléatoire. Qui ont toutes l'air de me dire que, bien entendu, ça ne reste que des cartes, hein, mais que les relations, en tout cas de sa part envers les femmes, ne sont pas du tout nourries de haine ou de violence. Et donc que les accusations formulées semblent un petit peu fallacieuses. Hein. Je vais voir avec le jeu de haut, en rajoutant des mots, je vous reprends tout de suite, une fois que j'ai fait mon tirage. Et je pense que pour ce grand artiste, et par respect bien sûr pour toute son œuvre, je n'irai pas plus loin dans son intimité. Et je pense que les réponses qu'on nous a apportées aujourd'hui auront au moins l'avantage d'être claires. À tout de suite. Je vous retrouve donc une fois que le tirage a été effectué, au moins pour les cartes comportant les mots. Donc tout de suite, nous avons le mot ferme. Le mot jeu, le chagrin, donné, lait, esclave, menacé et stop. Donc là, bien entendu, comme vous l'aurez compris, hein, ma question est toujours orientée concernant ces accusations-là et voir comment lui l'a ressenti. Donc on voit que c'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé. Donc sur la carte ferme, ouais. C'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même. Pour moi, il a vraiment très mal vécu cette situation. Et cette situation d'ailleurs qui, pour les autres protagonistes, semble ne pas avoir eu la même portée. Voilà, ouais. Vous voyez, là j'ai le diable qui ressort sur le jeu. Certaines des personnes qui ont porté des accusations mentent, je vous le dis.
Pour elle, c'est uniquement une situation liée à de l'argent. Sur la carte du chagrin, alors oui, c'est le poids qu'il a porté sur ses épaules à ce moment-là. Je pense clairement qu'on nous montre que ça l'a vraiment peiné. Et ça a peut-être même impacté un point de vue de sa santé d'ailleurs aussi. Ça, je ne sais vraiment pas. Hein. C'est quelque chose qui m'est venu en tête comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un tirage spécialement sur lui. L'est avec la trahison. Ouais, donc moi, on parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas agi. Hein. Ouais, esclave, vous voyez. Pour moi, il s'est fait avoir. Hein. Il s'est vraiment fait avoir. Hein. C'est triste qu'il y ait des femmes punaises. Surmenacées, j'ai le tribunal qui ressort. Ouais. Bon, écoutez, je pense qu'on est vraiment au bout de ce que j'ai à vous apporter comme réponse concernant cette affaire. Et d'ailleurs, j'ai la carte du stop qui arrive avec celle-ci, les chemins qui se quittent. Donc, effectivement, hein, il a été mêlé à des histoires qui ne le concernaient pas. Je pense qu'il y a une personne particulièrement qui a souhaité se venger. Et en tout cas, des personnes au milieu de tout ça qui ont essayé de malheureusement profiter de son argent. C'est très rare que je trouve qu'une enquête de ce style n'apporte absolument rien de louche ou de suspicieux. Pour moi, vraiment, c'est quelqu'un qui s'est fait accuser, j'ai l'impression, à tort. Voilà de ce qu'en tout cas on peut nous préciser avec les cartes aujourd'hui. Donc, si bien sûr les victimes ne mentent pas et qu'elles sont réelles, je suis désolée pour elles, hein, c'est peut-être très dur à entendre. Malgré tout, eh bien, je sais aujourd'hui qu'il y a énormément de jeunes femmes qui croient que c'est une manière honnête de gagner sa vie que d'essayer de dépouiller quelqu'un de connu. Je tiens à leur rappeler que comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la michetonnerie, en réalité, c'est un mot qui veut dire péripatéticienne. Et puis qui m'agace beaucoup dans ma condition de femme personnellement, parce que j'estime qu'on vaut bien mieux que ça, et qu'à cause de toutes ces bonnes femmes, on est toutes discréditées et considérées comme des morceaux de viande, tout simplement parce que certaines ne peuvent pas s'empêcher que de réagir ainsi et de n'avoir que ça à proposer afin de se rendre intéressante. Je continue, donc là on a la ténacité qui arrive pour lui. La justice. C'est plutôt rassurant. La protection. L'homme de robe, hein. Donc là on est sur un homme de loi. La force. Et oui, la colère, hein, ça c'est complètement légitime. Hein. Et nous avons ici enfin la femme corrompue. Je n'invente rien, je ne trie pas du tout les cartes. Hein. Donc, je pense que vous voyez moins bien. J'ai pas mis ma lumière. Je vais essayer de la brancher. Voilà. Donc, j'espère que ça sera un petit peu plus lisible. Bon, non, si je zoome trop, ça va pas le faire. Donc, on a la ténacité, la justice, protection, homme de robe, force, colère et femme corrompue. Quand même à le souligner. Donc nous avons avec la carte de la ténacité une première information qui va toujours dans le même sens, c'est Ève hein, qui est représentée. On nous dit qu'il y a eu des révélations d'un secret qui a été préjudiciable pour lui. Donc je ne dis pas que toutes les accusations sont fausses, mais certaines ont menti. Nous avons la justice qui est intervenue et on nous dit ici avec cette carte qui représente Salomon. Donc en fait, la justice est là pour trancher dans le bon ou dans le mauvais. On nous dit que c'est une personne qui est loyale et intègre et que c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Avec la carte de la protection qui suit, nous avons ici la carte qui est retournée. Cette carte représente le serpent et nous dit ici que... C'est plutôt quelque chose qui est en lien avec l'intimité ici, donc je n'ai pas forcément très envie d'insister. En tout cas, toujours est-il qu'on nous parle plutôt d'un bonheur familial. On nous dit que chez lui, ça va. L'homme de robe qui est représenté ici, donc on peut penser à un avocat par exemple, mais en réalité,
On voit bien, c'est un empereur, un roi. Donc cette carte qui arrive droite dit qu'il a soumis en fait ses problèmes à un avocat. Il en a parlé autour de lui et il a dû intenter, je pense, une action. En tout cas, on dit qu'il a eu la bonne attitude. Et la carte de la force qui est représentée ici nous parle d'un certain avantage qui plaide en sa faveur. Alors il y a la colère malgré tout qui ressort en avant-dernière carte. Et cette carte de la colère, eh bien, nous apprend que tout ne s'est pas passé immédiatement comme il le souhaitait. On nous dit que ces rumeurs ont semé vraiment une zizanie dans sa famille et que cela a pu même créer une rupture temporaire. Et enfin, avec cette femme corrompue, cette femme mauvaise, eh bien, nous avons ici une femme qui a essayé vraiment de le duper. On nous parle d'une femme assez jolie, une femme qui lui a fait des propositions. Donc, comme je vous le disais, les propositions n'ont pas toutes été faites, en tout cas par lui. Il se peut qu'il ait agi sur certaines, mais je crains malheureusement quand même que certaines femmes aient eu envers lui une attitude un peu plus explicite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'affaire qui a concerné Patrick Bruel. J'espère que ce sujet vous aura intéressé et qu'il vient compléter donc la vidéo concernant Monique Villemain. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.